me prépare pour la Saint-Valentin partie 3, les vêtements. Je sais pas si on va sur une jupe ou une robe ou un pantalon. Oh là 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 là, ça va pas du tout ensemble. Le problème c'est que j'ai rien de blanc qui est chic. Genre j'essaie mais je pense que ça fait un peu trop été, non? Allez, je vais quand même essayer. Soit celle-là, option numéro 1. Ça normalement c'est l'option numéro 2, mais je trouve que ça fait pas assez chic, donc éliminé. Oh, j'aime bien aussi avec la veste violette. Oh, je me dis penser mais j'ai les chaussures parfaites pour cette tenue et j'ai même pas fait exprès. Et là vous allez me dire mais ça c'est des talons normaux. Eh ben non! Regardez, il y a un cœur rose! Ça vient de la marque Charles & Keith, je sais pas comment on prononce. Vu qu'on est dans le thème Saint-Valentin, évidemment les bijoux ça va être des cœurs. De base j'allais partir sur les boucles d'oreilles de droite, mais finalement je trouve que celle-là elle matche mieux avec la tenue. Est-ce qu'un collier en perles ça fera too much? Ouais, c'est mieux simple comme ça. Allez, comme ça Saint-Valentin, je vais aussi mettre ce bijou demain. En fait c'est une bague, mais un bracelet en même temps. J'aime trop! J'hésite entre ces trois sacs. On commence déjà avec ce rose qui a déjà tout mon cœur. Après il y a le sac là, mais... Non. Et ensuite on a cette mignonnerie, regardez-moi avec les cœurs là. Alors. Et voilà ma tenue spéciale Saint-Valentin. Et je suis beaucoup trop fan de ce talon en forme de cœur.